Salut à tous, c'est moi Fou et aujourd'hui les gars on va faire une partie ensemble. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite avec un nouveau skin qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est le mécano. Donc là le mécano vous savez ce que c'est, tu vois. Si t'as des garages devant chez toi, des garages de voiture et tout, bah tu vois lui c'est le mécano. Voilà, entre parenthèses, je sais ça pue la merde ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Donc on a le petit mécano, on va commencer par ce skin là en premier. Après on finira par la petite poubelle. Voilà quoi, parce qu'il y a un skin qui est plutôt stylé. Mais le deuxième, voilà quoi, il me plaît pas trop mais après voilà il peut plaire à certaines personnes. Donc c'est parti, on regarde le nouveau skin des tritos. Donc ça c'est le petit sac à dos qui est plutôt sympa, en forme de petit chien. Voilà quoi, c'est le mécano qui l'a fait, il s'est pas foulé. Ensuite on a le petit skin, voilà, plutôt sympa. Perso j'aime bien la petite casquette comme ça derrière, avec le petit chien pareil derrière. Après au niveau des jambes, tout ça c'est super bien fait. Au niveau des bottes c'est super bien fait, voilà quoi. Un skin à 1002. Je pense qu'il y a des joueurs clavier, je crois qu'ils vont tous le prendre. Ah, il y a le petit tatouage aussi, plutôt sympa. J'aime bien le petit tatouage comme ça. Donc voilà, le skin, il n'y a rien à trop dire. Voilà, il ressemble pas aux autres qu'il y a d'habitude. Voilà, il est stylé, il a du charme, il a de la gueule, il a du goût. Voilà quoi. Après, je vais pas goûter. Ensuite, on a la petite poubelle. Donc perso, le sac à dos, il est horrible. Donc je sais pas s'ils vont faire vraiment beaucoup d'achats sur ce skin-là. Mais personnellement, je le trouve pas très beau, tu vois. Parce que le gars il s'est pas foulé quoi, il a mis un micro-ondes sur sa tête, un four à pain, et l'autre il a foutu une banane, l'autre il a foutu des pommes, un papier toilette, ils sont pas foulés quoi. Même là il y a des allumettes devant. Après il y en a qui vont le plaire, il y en a qui vont se dire ah ouais il est plutôt sympa, il est beau. Mais bon après voilà, c'est peut-être parce qu'il avait dans une poubelle et du coup tu prends une poubelle. Bon voilà, après chacun ses goûts, moi perso je suis pas trop fan de ce skin là. Donc voilà, on va vite le dégager. Ensuite, pour 1000 V-Bucks, les gars, on a les équivalents à deux pioches plus un skin, plutôt un planeur, hein, je me suis trompé, excuse-moi. Donc le planeur, il est beau, la pioche, elle est plutôt pas mal, et la pioche cœur, elle est plutôt pas mal aussi. Ça, c'est pour la Saint-Valentin, voilà, plutôt sympathique. Mais perso, ceux qui ont déjà acheté deux skins avec les pioches et tout ça, je vous conseille pas, parce que perso, vous êtes pigeonné, parce que cette pioche-là, vous l'avez déjà, et cette pioche-là aussi, vous l'avez déjà. Donc voilà, quoi. Pour ceux qui comprennent pas, je vous montrerai juste après. Ensuite on a le petit skin qui fait son retour, 1500 V-Bucks, voilà, qui est plutôt stylé. On a la petite pioche à 800 V-Bucks qui est plutôt stylée aussi, on va pas se le cacher. Voilà, elle pue la merde. Et ensuite on a la petite danse, voilà, pop ou lock, pas mal. Et le petit dab infini, voilà, comme ça la vidéo elle est terminée, on n'en parle plus, on fait la moitié de monnaie, je me casse. Non, j'ai pas. Donc alors pour ce que je disais les gars, on va aller dans le petit casier, regardez les pioches. Parce que ceux qui ont déjà acheté cette pioche là, ça sert à rien de prendre l'autre, parce que celle-là est quand même plus stylée que l'autre. Et ceux qui ont acheté le cœur, pareil, je vous conseille pas d'acheter parce que finalement, vous l'avez déjà, donc ça sert à rien d'acheter en deux fois, tu vois. Moi j'aurais plus vu des défis pour améliorer la pioche, ça aurait été plutôt pas mal. Mais après, c'est pas nous qui décidons. Donc ensuite les gars, on a la nouvelle saison pass, c'est la saison 8 qui sortira bientôt dans 17 jours. Donc j'espère qu'ils vont faire du lourd parce que personnellement, là, on va pas se cacher, d'habitude j'ai tout fini et là bah, j'ai pas vraiment tout fini quoi. Ça m'a la perso la saison m'a pas trop plu. À part ce skin là qui est plutôt pas mal, mais c'est plus les genres de zèle derrière là, les genres de trucs là, je sais pas si on va le voir, attendez. Donc là il va se mettre à fond. Ah bah non, tu on les voit même pas. Voilà quoi, ça fait des genres de rideaux derrière, plutôt stylé. Donc voilà, c'est le seul skin qui est plutôt pas mal. Donc j'espère qu'il va y avoir du lourd pour la nouvelle saison passe. Et aussi les gars, dans l'événement, on a le nouveau événement Dépendez l'amour, série de placement qui est plutôt stylé. Donc on l'a en duo ou en solo. Personnellement, hier, je l'ai fait avec mon scrab et on a eu exactement 11 points, tu vois. Donc à 4 points près, quoi. Mais après, on a commencé une heure avant. Donc ça, c'est un peu chaud. Donc là, on va recommencer dans 4 heures, on va essayer de l'avoir et puis ben, on verra bien, quoi. Parce que personnellement, c'est vraiment très, 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 très chaud. Ceux qui l'ont, genre, c'est la vie. Mais ceux qui l'ont, tu vois, genre, dis GG parce que c'est vraiment stylé, tu vois. Parce que avoir les 15 points, après c'est vrai que nous on a fait quoi 10 parties, sur les 10 parties on a eu 11 points. Mais après il nous manquait une heure. Donc je pense qu'on aurait pu l'avoir, voilà quoi. Parce qu'après chaque partie on a fait. Il y a une partie on a fait 5 points, l'autre 4 points, et l'autre 2 ou 3 points, je ne me rappelle plus, mais voilà qu'on arrive à 11 points. Donc voilà. Donc dis-moi en commentaire si bah t'as eu la petite insigne au cas où. Donc on se dit ciao ciao et à la prochaine pour la vidéo, c'est pas fou.